Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je m'excuse d'abord pour mon timbre de voix, hein. J'ai encore pas, ça ne part pas, il n'y a rien à faire. Je reste avec une voix enrouée, donc désolée pour la gênance. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bujo. On va essayer de faire le mois de décembre ensemble. J'ai un petit peu avancé au cran de papier. On va essayer de faire ça ensemble. J'ai un de ces bazars sur ma table, je vous explique pas. Et je vais aussi vous montrer les dernières acquisitions que j'ai faites pour faire mon bijou. Comme ceci que j'ai pris sur Amazon, ça me sert à faire des ronds. Voilà. Faire des ronds corrects. Et Jeanne n'arrivait pas à trouver. Sur Ali, il y en a un, je crois. Il est relativement cher quand même. Donc j'ai pris celui-ci sur Amazon et pour l'instant bon, ça suffit pour ce que j'en fais. Voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis aussi pris des Tombow. Donc j'ai pris le pack de pastels pour tester, pour voir si j'arrive à faire du lettering avec ça et j'aime beaucoup, donc je pense que je vais en mettre dans ma wishlist pour Noël. Voilà, parce que du coup là j'ai que des teintes pastel, donc là pour décembre ça va pas le faire, mais voilà, je suis contente. Mais ils sont super grands par rapport à un crayon lambda, quoi. Donc ouais, je sais pas trop dans quoi les ranger. Il faut que je me trouve une plus grande trousse, je sais pas. Donc voilà pour ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je me suis procuré quoi d'autre aussi? Je me suis procuré des pastels à l'huile via Vinted. Je sais plus trop combien je les ai eu, pas très très cher. Je vous mettrai le prix à l'écran. Mais voilà, 25 pastels à l'huile. Je me suis procuré du coup un petit truc mousse Cléopâtre. Je sais pas, par contre, j'ai pas mis trop de. Je m'étais acheté de l'essence sans odeur à Cultura, mais je l'ai laissé dans mon sac beaucoup trop longtemps et ça ballotte. Du coup, il s'est tout vidé dans mon sac. C'est génial. Du coup, j'ai acheté ça, du White Spirit désaromatisé. Hein, je pense que ça fera le job. Là, j'en ai déjà plein les mains. C'est génial. Mais ouais, je pense que j'en ai mis trop dans mon petit bazar là. Ah, espèce d'inoub. Alors, je me suis aussi pris des petits tubes comme ça, roll-on, de colle à action, parce que je trouvais pas les comme ça là. Enfin, c'est pas de chez Action ceux-là. Normalement, ils sont bleus. Hein. Ça, c'est ceux de chez Inter. Mais je trouvais pas ceux-ci à Action, donc j'ai pris ça. Je me suis dit que ça pourrait faire le job aussi. Vous avez deux embouts, vous avez un embout petit et un embout un peu plus large. Ça à Action, et je me suis aussi pris les glitter glue à Action. À voir. Là pour Noël, là, les trois là, elles sont pas mal. Même le vert. Bon, allez. Donc je vais voir si je vais les utiliser ou pas. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je vous avais montré ça lors du haul Action. Voilà. C'est des lettres d'alphabet en mousse. Et je crois que c'est tout pour les nouveautés. Je pense. C'est déjà pas mal, hein, ça suffit. Hein. Donc on va faire le point sur mon mois de novembre. Parce que j'ai rajouté quelques petits trucs depuis où je l'avais montré. J'ai reçu mes stickers d'Ali. Je vous mettrai un lien si jamais ça vous intéresse de vous les procurer avant, pour l'année prochaine en fait. Ou si vous aimez bien le thème d'Halloween. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu partout. J'ai toujours pas fini mon mois de novembre. De toute manière, on l'a pas fini. Là. Quand je filme, on est le 12. Donc j'ai pas j'ai pas fait les fonds encore pour toutes mes délices. Je sais pas pourquoi, j'ai fait celle-ci, j'ai pas fait celle-ci. Et là encore, j'ai pas fini. Hein. Faut que je rajoute un petit peu de Posca ou du signeau blanc. Je vais rajouter quelques petits trucs. Mais voilà, il me reste deux délices à faire. Et voilà. Donc là, je suis à jour.
Même si Ash Princess, il n'est pas lu, hein, mais bon, c'est ma lecture du mois, donc il va falloir que je mette un petit coup. Hein. Mais bon, j'ai du mal à l'emmener au boulot parce qu'il est trop grand. Merci Bella pour cette pause pipi. Merci. Sinon, série, bah, j'en bouffe pas mal en ce moment. J'ai fini Lucifer. J'ai fini... Je me suis bouffée la saison 3 d'Atypical. Donc, comment vous dire que je kiffe cette série, je la surkiffe. Voilà, je l'adore trop, j'aime trop. Donc, je me le suis bouffée la saison 3 en une journée, je crois. Voilà. Et en ce moment, j'aime bien. J'aime beaucoup 13 Reasons Why. En ce moment. Mais bon, il va falloir que je me trouve de nouvelles séries. Voilà, vu que j'en ai pas mal terminé. Je me suis refait du coup une bibliothèque, mais je l'ai mis en plein milieu d'un mois, on va pas... Voilà. Enfin, c'est pas grave, de toute manière, je vais essayer de me trouver des petits washi en effet bois, j'aimerais bien en effet bois, ou je sais pas trop, voilà, voilà pour me mettre autour et faire vraiment une espèce de bibliothèque. Et je l'ai pas fini, j'ai pas plus décoré que ça, mais bon, j'ai déjà mis les livres que j'ai lus depuis que j'ai commencé mon nouveau bujo. Donc voilà. Là, on a les sorties livresques du mois de novembre, du coup. Et là, j'ai pré-rempli, du coup, pour mon mois de décembre. J'ai commencé à mettre ma citation, mais il va falloir que je l'écrive mieux, hein. Il va falloir que j'arrive à insérer mon mois de décembre, mais je sais pas si je vais pas utiliser ça, du coup, pour la lettre D, mais il va falloir que je la trouve là-dedans. J'ai pas pris de cutter. Est-ce que j'ai un petit cutter? Est-ce qu'un cutter est dans la salle? Comme ça. Par contre, faut que j'enlève celui qui est au milieu. Voilà. Un petit dé. Du coup, ça va faire super épais dans le bujot. Ça va rajouter de l'épaisseur. Bon, tant pis, de toute façon, au point j'en suis. J'ai rajouté mes stickers au fond hein, dans la poche. Du coup, ça gonfle là, le truc hein, déjà. Donc là, on va mettre ça. Et je vais prendre mon noir. C'est ceux que je vous ai montrés le mois dernier. C'est les. Je sais plus. Puis vu que c'est pas écrit en français. Ah! Comment c'est? C'est pas écrit en. Je sais plus. Quelle marque c'est? Pentel. Brush Touch. Commandé sur Amazon, mais enfin, vous voyez que ça vient de Chine. Donc, je sais pas. Mais bon, je les adore. Je sais pas si je vais réussir à écrire droit, mais j'adore les utiliser. Hop, et on va venir coller par-dessus.
Non, il faut juste ça. Voilà. On va mettre ça là. Je vais mettre un petit sticker. Hop là. Hop là, on va mettre là. Comme ça. Et bon. Ho, ho, ho. Il est là. Voilà. Donc voilà pour cette double page, je sais pas trop si je vais rajouter d'autres trucs. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They look it up and saw star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. No.
first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, Noel, Noel. Donc je ne valide pas les tempes d'action, là, lettre par lettre, c'est pas terrible. Voilà. Je pense que je vais rajouter quelques die cuts et voilà pour le bijou du mois de décembre. Et c'est là qu'on se dit que l'année va être finie. Et j'ai fait une boulette. Voilà, c'était pas sec. Voilà, merci. Voilà. Je vais le laisser ouvert et puis voilà. Je sais pas combien de temps parce que je ne sais pas combien de temps ça prend habituellement pour sécher ces trucs-là. C'est la première fois que j'utilise ça. Donc voilà pour cette vidéo bijoux du mois de décembre. J'espère que ça vous donnera quelques petites idées de déco pour votre bijoux et autres. Vous pouvez très bien vous en servir pour faire des petites cartes personnalisées pour Noël. Je pense que je vais rajouter quelques petits stampings un petit peu à droite à gauche une fois que ça sera enfin sec. Voilà. Et rajouter quelques die cuts. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.